Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur The Forest en version 0.01B. Donc là je débute le jeu. Là on voit qu'on est dans un avion qui est en train de se scratcher. Le petit enfant est tranquillement assis. Bien sûr on est tout seul dans l'avion, mais c'est pas grave. Position vraiment bizarre. Oui. Bonjour. L'enfant, il va bien? Ok. Donc voilà, je débute le jeu. Je sais qu'il y a pas mal de choses derrière l'avion. Parce que j'ai déjà fait un peu la campagne, enfin le début du jeu. Donc là, je prends pas mal de choses. Donc là, de la nourriture, voilà. Voilà, de la nourriture. Là, je prends ma hache. Et voilà, on se retrouve sur The Forest. Donc, là, on voit beaucoup de bagages. Donc, les bagages, on peut les ouvrir. C'est simple, en les cassant. En donnant un coup d'hache. Donc, il y a pas mal de choses qu'on pourra faire. Surtout, ils ont beaucoup amélioré des choses au fil des versions. Surtout avec les animaux, donc c'est à dire maintenant on peut beaucoup plus tuer d'animaux pour se nourrir, etc. Donc I pour ouvrir l'inventaire. Donc là on peut voir, j'ai récupéré pas mal de bouteilles, des composants électroniques, une barre chocolatée. Donc là j'ai une lampe. Un briquet, j'ai ma hache et là j'ai la table de craft, donc c'est à dire je pourrais faire pas mal de choses avec ça. On voit des lapins, donc là on peut les tuer. J'y arrive. Voilà, donc là on peut récupérer sa peau et puis la viande. Donc après on pourra les faire cuire avec le feu. Donc on a le manuel de craft, voilà. Donc là on pourra placer du feu, ça c'est pour le feu. Après il y a les habitations, les habitations, voilà. Ça c'est pour le stockage, ça c'est pour personnaliser son habitation. Bon là on n'a pas encore délivré. Là on a des pièges. Là on a des plantations, etc. Et là on a un bateau aussi. Puis après il y a les totems. Donc les totems, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on verra ça dans le prochain épisode. Donc là on voit un voilier, donc on voit les ombres. Donc là il y a des mouettes, maintenant on peut les tuer. Dans l'ancienne version on pouvait pas, maintenant on peut. Voilà, et ça sert à rien, mais c'est marrant. Donc je vais d'abord construire la maison, ce sera mieux parce que la maison sert à sauvegarder, et puis on pourra faire et quand on dort il fait jour et où il fait nuit, donc ça sert à mettre le jour ou la nuit. Aussi il y a beaucoup d'indigènes, donc les indigènes en gros c'est nos ennemis, quoi. Ils nous tuent quand ils veulent. Enfin, on peut se défendre avec la hache, surtout avec la hache. Et on va essayer de récupérer le fils, là. Enfin, mon fils, quoi. En essayant de survivre le plus longtemps possible. Donc, tout d'abord, je vais me construire celle-là, cette maison. Donc, là, on voit, on peut la placer. Donc, moi, je vais la placer là. R pour la tourner.
peu pour le poser. Voilà, donc. Et tout ce que je vais récupérer, je pourrais le crafter. Enfin, pour, je pourrais construire ma maison grâce à ça. Donc, je vais aller récupérer des composants, donc des pierres, des arbres. On peut les casser avec la hache. Oula. Ça, c'est pas mes amis. Donc, je vais couler. Oh là là là, il y en a plein. Je suis dans la merde. Je sais pas si je cours. Ah, j'ai plus d'énergie. Donc là, on, si on a plus d'énergie, on pourra manger des barres, etc. pour se ravitailler. Bon, je reviendrai sur mes pas tout à l'heure. Comme ça, pour l'instant, je vais crafter un peu. Donc là d'abord on va... Oula. Donc je vais essayer de récupérer des bâtons et des pierres comme le disait le livre. Voilà déjà une pierre là. Là on a une pierre. Il en faut 5. Donc 5 pierres. On va en récupérer. Un. Ah oui, avec les araignées sous la pierre pas mal. J'ai jamais vu. Après il y a les bâtons. Donc en cassant les petits arbustes on peut avoir des bâtons. Voilà, ça c'est un bâton. Et donc on peut retrouver tout ça dans l'inventaire. Donc là j'ai 4 pierres et un bâton. Il m'en faut 5 pierres et 9 bâtons. Ah non, je suis en train de casser. Voilà, et après on peut casser les arbres. Voilà, des pierres. Ah. Oh. Attends. Oula. Oula. Au revoir. Oula, il va m'attaquer lui. Je crois que je l'ai pas vu en plus. Je suis dans la merde. Dans la grosse merde, faut que je coule. On va aller au bateau. Ah, des bagages. Ah, une balle. Donc la balle, ça sert à rien, mais on peut la jeter. Voilà, donc là j'ai jeté deux balles. Par contre, là, elle se rapproche dangereusement. Faut que je m'enfouille. Donc avec eux, on peut poser les affaires qu'on a récupérées. Donc, on voit que là ça se pose. Voilà, après il faut que je récupère plus de matériel. Putain, merde, non, non. On peut l'attaquer, mais j'ai pas trop envie parce qu'il nous tue vraiment vite. Ah, il y a pas mal de bagages. Me lâcher sinon je l'attaque. Allez, je vais l'attaquer. Bon, je vais l'attaquer, c'est parti. Wow. Allez, casse-toi. Ah l'enfoiré. Elle nous a eu, mais ces indiens, je sais pas, ils sont bizarres. Hein. Ils nous tuent en un coup, comme ça. Bon, bah, suite à cette mort, on se retrouve dans une grotte. Donc là, on a vraiment plus rien. Et en fait, c'est le but, enfin, c'est que le jeu est vraiment compliqué. Donc elle pourrait utiliser sa lanterne. Voilà, mais je crois que j'avais une lampe, ouais. Plus simple. Donc là on se retrouve dans une grotte un peu chelou. Il y a des hommes pendus, normal.
ça va, on est tranquille sinon. Il y a pas mal d'objets. Surtout j'ai déjà visité en fait, enfin j'avais déjà, je suis déjà mort dans ce jeu, donc je connais un peu maintenant. Donc là il y a, après il y a même des pistolets, on peut prendre un des pistolets de secours quoi. Ah la nourriture. Là on a une jantache beaucoup plus puissante, donc ça ça va nous être utile, surtout pour couper les arbres et tuer des indigènes, enfin se défendre. Donc voilà, là on a toujours la petite hache qui est dans notre inventaire. Et on a à peu près tout. On a perdu pas mal de choses, mais on en garde un peu quand même. Voilà. Ah oui, là-bas, je crois qu'il y a un pistolet. Voilà, donc des munitions et un pistolet. Ça, ça va être utile. Attends, donc je vais vous montrer le pistolet vite fait. Voilà. Le pistolet, donc voilà. Le pistolet, je vais vous montrer. Voilà. C'est un pistolet de détresse en fait, mais ça va être utile pour tuer des gens et tout. Il y a aussi le briquet, donc le briquet ça sert un peu de lampe torche, mais voilà quoi, c'est vraiment moins. On voit toujours notre maison à construire, donc ça c'est pas mal. Donc je vais couper et je reviendrai après.